La deuxième lecture de la une des journaux de ce mercredi avec le quotidien Maison Fraternité qui titre en manchette. Tentative d'assassinat du maire Boukoumbé. Les premiers résultats de l'enquête dévoilés. Le jardin de case, manger bilio et pallier la cherté de la ville. Les détails sont à la page 2 du journal Le Télégramme. Après sa prise de service, les mises en garde du président Edouard Loko aux professionnels des médias. Moretti passe la main à Loko, investi haut commissaire à la prévention de la corruption. Patrice Talon prévient Maître Jacques Mégan. Les détails sont à la page 7 du journal. La Nation à présent appuie au projet structurant du Bénin les engagements de la Badia salués. Journée de l'artisan béninois, les meilleures initiatives primées. L'événement précis, installation du haut commissaire à la prévention de la corruption. Talon appelle Jacques Mégan à faire preuve de courage et d'inspiration. Tentative d'assassinat du maire de Boukoumbé. Deux malfrats neutralisés. La police ouvre une enquête. Les quatre vérités, enseignement supérieur et recherche scientifique au Bénin. Talon a-t-il oublié les universités publiques et leurs acteurs depuis 2016, s'interroge le journal. Tentative d'assassinat du maire de Boukoumbé. Les explications de la police républicaine. Matin libre, santé. Le Bénin fait-il face à une épidémie de choléra, s'interroge le journal. Crime rituel dans le zoo. Une écolière de 8 ans est enlevée et assassinée. On finit avec le matinal, département du zoo et des collines, flambé du prix du ciment. Les promoteurs de dépôt sommés de respecter les cours. Les détails sont à la page 2 du journal. Finissons avec phase 2 de la tournée de reddition de compte gouvernemental à Tchaourou. Un bilan social réalisant dressé à Bétéro et à Sanson. Et c'est tout pour ce matin, René Sogo.